Nous sommes le 11 février, donc une fois n'est pas coutume, on va commencer par le suivi des endives. Donc pour rappel, j'ai planté mes racines de wheatloaf vers le 13 ou 14 décembre. Donc ça fait pratiquement 2 mois en fait. Donc c'est un petit peu plus long que ce que ça devrait être. Pour une raison assez simple, la température que j'ai dans mon garage est beaucoup plus basse que la température qu'il faudrait pour forcer les endives. Donc le délai normalement est à peu près de 5 à 6 semaines, je crois, pour obtenir une récolte. Et le problème en fait, c'est que la température que j'obtiens dans mon garage a tourné aux alentours de 10 degrés, alors qu'il faudrait 14 degrés pour forcer correctement les endives. Donc ce qui explique le décalage de plusieurs semaines. Mais bon, l'important c'est de pouvoir les obtenir. Comme vous voyez, bah, c'est pas trop mal en fait pour ma deuxième tentative. Donc je me suis aperçu que certaines étaient un peu trop serrées, donc ça avait tendance un peu à moisir, donc j'ai retiré les feuilles qui étaient malades. Et ce soir, ben, ça va être salade d'endives. Donc en salade, moi j'adore ça, bon là en plus j'en ai pas trop, donc ça va pas durer longtemps. Par rapport à la façon dont j'ai cultivé mes endives, je m'aperçois en fait que d'utiliser une grande poubelle comme ça, c'est pas évident, parce que c'est assez encombrant. Donc je pense à Silvio qui fait ça dans les pots de fleurs, donc je trouve que c'est vraiment une bonne solution. J'avais vu ça aussi dans des seaux en plastique, c'est quand même assez compact, facile à bouger, à ranger. Je pense que ça sera bien plus pratique qu'une grosse poubelle comme ça. Suivi des boutures de tomates que j'ai faites fin novembre. Donc vous voyez, ça continue de pousser. J'en ai un qui fait à peu près allez, 20 cm et l'autre il doit faire dans les 50 cm pratiquement. Donc vous voyez, ça continue de pousser et les tomates se sont développées, donc elles ont grossi encore un petit peu. J'en ai peut-être encore une ou deux qui vont se former là, je ne sais pas. Et j'ai encore des fleurs, donc là je les ai secouées un petit peu pour essayer de les féconder, on va voir. On va voir ce que ça donne. C'est plutôt sympa de faire pousser des tomates en l'intérieur. À côté, donc ça c'est mes 3 plants de coquerets du Pérou. Donc j'en ai attaché 2. Le troisième, il faudra que je le fasse. Parce que là, il commence un peu à bouger. Donc bah, le coquerets du Pérou, ça pousse plutôt bien aussi. Hein. C'est pas... les feuilles sont assez jolies. Même si j'ai récupéré les graines, je devrais pouvoir repartir de ces plants-là. Donc c'est toujours intéressant. Le gros avantage de faire des boutures de tomates et de coquerets du Pérou comme ça avant l'hiver, c'est de se retrouver avec des plants qui sont ben, déjà bien avancés et qui vont pouvoir repartir plus fort en début de saison. L'inconvénient que je vois à cette culture, en tout cas cette année, c'est d'avoir utilisé de la terre végétale pour les faire pousser. Je me retrouve avec pas mal de pucerons que je suis obligé de traiter au savon noir. Dans lequel je fais macérer de l'ail, et même malgré ce traitement, ça revient assez régulièrement. Même si j'arrive à canaliser un petit peu leur développement, je n'arrive pas à m'en débarrasser complètement. Donc c'est vrai que c'est quand même assez gênant. C'est pourquoi pour mes prochaines boutures, je n'utiliserai plus de la terre végétale, mais du terreau stérile enrichi. Qui lui évitera ce genre de problème. Alors, autre chose que je teste cette année, c'est les patates douces. Donc, je me suis acheté 2 patates douces dans lesquelles j'ai planté des piques. Alors, j'avais utilisé des cure-dents, comme beaucoup de personnes le préconisent. Le problème, c'est qu'avec ce type de patates douces qui sont vraiment très grosses et très lourdes, les cure-dents se cassent assez facilement. Donc moi je vous recommande plutôt d'utiliser des piques à barbecue. C'est beaucoup plus solide, beaucoup plus épais, et là il n'y a pas de problème, ça ne casse pas, ça tient vraiment très bien. Donc là ce que j'ai remarqué c'est que alors je ne sais plus quand je les ai faits, je crois que je les ai mis en place il y a à peu près une semaine. Et vous voyez, on a... Donc des racines là qui commencent à se développer, on voit que ça sort là. Alors sur l'autre, bien sûr, on ne voit pas, j'avais pas d'autres récipients transparents. Mais bon, peu importe, j'ai pris un pot dans lequel j'ai mis de l'eau, il n'y a pas de souci, ça marchera aussi bien, c'est juste que je ne verrai pas à travers. Donc voilà, maintenant reste plus qu'à
à voir la suite. Donc, petit clin d'œil à Olivier et à William. J'avais vu en fait qu'ils eux aussi faisaient ça. Blake en fait aussi, donc on va pouvoir tester ça cette année. Donc, suite au conseil de Maud, j'ai décidé de me lancer dans les semis de chaux de Bruxelles. Donc, j'avais acheté cet appareil qui permet de fabriquer des mini-mottes. Donc, ça faisait un moment que je l'avais et je n'avais jamais testé. Alors, bon, c'est pas mal, mais la qualité n'est pas forcément super. Le métal a tendance à se tordre. La partie plastique n'est pas collée à la partie métal. Bon, j'ai quand même réussi à former des mini-mottes en passant préalablement mon terreau, que j'ai ensuite humidifié pour avoir une consistance assez intéressante pour être travaillée. Donc voilà, j'ai réussi à faire tant bien que mal des mini-mottes. Bon, elles sont pas parfaites. Il y a une petite partie évidée au milieu qui permet d'insérer la graine. Donc on peut mettre 28 mini-mottes dans une mini-serre comme ça. Et j'en ai fait deux. Alors j'ai commencé à insérer quelques graines, vous voyez, des graines de chou de Bruxelles. Petit clin d'œil à Patrick de mon biopotager. Donc tu vois, j'ai acheté mon semoir, donc de précision. Alors bon, c'est un petit peu déroutant au début, mais ça marche plutôt pas mal, je trouve. Donc vous voyez, j'ai mis mes graines dans la boîte qui était fournie avec. Donc j'ai différentes petites aiguilles en fait qui permettent de faire passer l'air et de bloquer la graine. Donc là j'ai mis la plus grosse que j'avais, comme les graines sont quand même assez grosses. Et donc voilà, vous voyez, il suffit de presser, ensuite on se positionne. Alors il faut réussir à en isoler une, voilà. Donc là on voit que la graine est au bout. Il suffit ensuite de poser dans le trou. Tac, et voilà. Donc c'est quand même assez précis, surtout quand on fait de la grosse quantité comme ça. Pour mes tomates, comme je vais faire que 2 ou 3 graines, je ne suis pas sûr que j'utiliserai ça. Merde, je l'ai fait tomber, c'est pas grave, je peux la récupérer. Donc, tac, voilà. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve, hein. C'est quand même plus précis que ce que j'avais avant. Tac. Donc, une graine. Faut essayer de pas trembler, bien sûr. Alors, il faut que j'essaie de positionner l'appareil au même endroit que là où je travaille. Voilà. C'est quand même assez précis, hein. Bon, je ne vais pas tous vous les faire. Vous avez compris le principe. Tac. Tac. Voilà, donc je vais continuer. Je vais remplir les 24 millimètres et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous voyez, les graines sont vraiment très petites. Donc ça va être un petit peu plus délicat à attraper. Donc j'ai changé l'aiguille. Et donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, tac. Voilà. Donc on arrive bien à attraper la graine, même si elle est petite. Tac. Voilà. Donc là, ça marche. Donc, comme la graine est plus claire, on la voit mieux. Donc bah, je vais faire ça sur le deuxième bac. Donc je vais faire des choux de Bruxelles à gauche qui sont déjà faits et des céleris raves sur la droite. Donc c'était un petit peu délicat au début d'utiliser le semoir de précision. Pour la deuxième barquette, j'ai trouvé ça beaucoup plus facile. C'est au final pas si compliqué que ça. Il faut simplement utiliser la bonne épingle et prendre son temps. Enfin, ça devient vite un jeu d'enfant en fait, ce semoir. Donc je le recommande. Et je remercie Patrick de m'avoir fait connaître ça. Donc, alors ce que j'ai semé, ce sont des choux de Bruxelles Long Island et des céleris raves Monarque. Donc maintenant, la partie la plus délicate va consister à remplir en fait les petites cavités qui se trouvent dans les mini-mottes. Donc comme j'en ai jamais fait, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Pourquoi est-ce que j'ai fait ces mini-mottes? J'avais acheté un lot de deux presse-mottes. Et dans le deuxième presse-motte, donc qui fait moins de mottes, mais par contre qui a la possibilité de créer des cavités de la taille de la mini-motte, vous voyez, il suffit ensuite d'insérer en fait la mini-motte à l'intérieur de la motte qui sera ainsi constituée. Donc je trouvais ça sympa, donc on va voir si c'était vraiment une bonne idée. Donc comme je vous dis, j'ai jamais utilisé ça, donc je ne sais pas du tout ce que ça donne. J'ai arrosé mes mini-mottes en prenant soin bien sûr de ne pas détruire complètement la motte. Donc bon, il y a un peu d'eau qui est partie à côté, mais c'est pas très gênant, puisque de toute façon ça va contribuer à générer l'humidité
à l'intérieur de la mini-serre. Donc j'ai fait la même chose à côté. Pour mettre la graine dans la mini-motte et la recouvrir, en fait, je les ai prises une par une. J'ai recouvert la cavité de terreau que j'avais préalablement passé au tamis pour être sûr que ça n'entrave pas la graine. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à voir ce que ça va donner. Je trouve que le résultat est pas si mal pour une première fois. Bon, maintenant ça prend quand même un petit peu de temps. Donc à voir si c'est réellement aussi intéressant que d'utiliser des cellules qui sont déjà préformées et qui restent simplement à remplir de terreau. Alors peut-être que sur des quantités assez importantes, les mini-mottes peuvent avoir leur utilité, mais sur des quantités limitées, je pense qu'il vaut mieux se rabattre sur des cellules qui permettront d'économiser le temps que j'ai passé à la conception des mini-mottes. On va terminer par les poivrons et les piments. Donc voilà un petit point sur où en sont mes différents semis. Donc voilà. Donc alors ils sont tous de tailles différentes puisque en fait j'ai fait mes semis au moins en 3 ou 4 fois, je crois. J'ai pas réussi à obtenir des bons résultats à la germination, mais je pense que ça vient du fait que la pièce dans laquelle je les ai positionnés au départ n'était pas assez chaude. Mes derniers semis étaient beaucoup plus rapides à germer avec plus de chaleur. Donc il faut vraiment beaucoup de chaleur, il faut au moins dans les 24 degrés pour avoir vraiment quelque chose de correct au niveau germination. Donc je vous recommande de positionner vos semis vraiment sur le haut du buffet ou sur un meuble le plus en hauteur possible dans la pièce la plus chaude de la maison. Moi c'est pas ce que j'ai fait au départ et je m'aperçois que ça m'a posé problème pour la germination. Donc pour les tomates que je vais commencer en mars, je ferai beaucoup plus attention à ça. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour vous tenir informé de la sortie de mes dernières vidéos.